Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, coucou mes très chers amis, on se retrouve comme chaque deuxième samedi du mois en compagnie de Mimi Mireille dans les Murmures du Chaudron pour vous parler et vous décortiquer les lames du tarot de Marseille. Coucou Mimi. Coucou Alina. Comment ça va donc? Bah écoute, hein, je vais radoter et je vais redire mon éternelle phrase. Quand je t'entends, tout va bien. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Allez, encore un petit peu de poussière d'étoiles. Hein. Alors, on a adoré, écoute, ce mois de septembre. Hein, d'ailleurs, pour les auditeurs qui ont raté la première lame, qui était l'initié, hein, le battleur, sachez que voilà, vous avez la possibilité de découvrir ce podcast sur notre site witchesradio.fr. Dans l'onglet podcast, vous allez voir le fameux retour de Mimi Mireille et du décortiquage de cette première lame. Et là, comme pour la première lame, là ce soir, deuxième samedi du mois, dans les Murmures du Chaudron, eh bien, on se retrouve avec Mimi pour décortiquer cette deuxième lame du tarot de Marseille qui est la papesse. Oui, tout à fait. Et puis, par contre, vous pouvez toujours nous faire des retours concernant notre ami le battleur. Maintenant, vous avez évolué avec lui pendant tout un mois. Vous l'avez peut-être mis sur votre table de nuit, donc vous pouvez peut-être nous en parler sur le chat ou par mail à Alina, à la radio. Ou même à toi, mimi@witchesradio.fr. Voilà, si vous voulez recevoir le plan de l'émission à chaque fois, qui décortique, alors on décortique vachement plus quand on est en direct, mais il y a quand même pas mal d'éléments sur le plan, donc c'est ça qui est merveilleux. Et de deux, si vous avez des questions à poser à Mimi aussi, il faudra pas hésiter. Alors si vous écoutez l'émission là ce soir, c'est contact@witchesradio.fr, mais si vous l'écoutez en différé, à ce moment-là, envoyez directement vos questions à Mimi via sa boîte mail. Je sais pas ce que t'en penses, Mimi. Oui, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous communiquerai le plan dans la semaine qui suit la diffusion de l'audio, quoi. Ok. Alors, comment est rythmée chaque émission avec Mimi Mireille et ses décortiquages de l'âme? Ça se fait en 5 parties. Donc, il y a une introduction par rapport justement à la lame en question. Ensuite, partie 1, c'est tout le décortiquage qui est relié aux couleurs de la lame. La partie 2, c'est le décortiquage qui est relié aux chiffres liés à la lame. La partie 3, c'est le décortiquage relié aux objets et symbolismes aussi hébreux reliés à la lame. Et enfin, partie 4, c'est la conclusion et le message de la lame en question. Voilà, puis entre chaque partie, il y a une petite pause musicale. Voilà, tout simplement. Oui, t'as bien résumé, Alina. Merveilleux. Et chaque partie fait à peu près 15 à 20 minutes, donc ça vous permet aussi de votre côté de prendre des notes, de papoter sur le chat, de nous envoyer vos questions. Il y a une rediffusion aussi chaque jeudi après-midi de 16h à 18h, si jamais vous avez raté l'émission du samedi soir. La rediffusion possible sur witchesradio.fr de l'émission dans sa globalité avec la musique, de 16h à 18h chaque jeudi après-midi. Donc voilà Mimi, moi j'ai fait mon petit topo, hein. On fait plein de bisous à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir et c'est parti pour l'introduction de l'émission. Aux effluves des émanations du chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca. De la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Alors que je vais faire mon petit rappel, hein,
que je vais vous faire à chaque fois, hein, qui vous précise que je ne suis pas tarologue. Le but ici n'est pas de faire des prédictions du tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette carte. Je me base sur mes propres recherches personnelles faites par le passé, actualisées concernant le tarot de Marseille, hein. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, le maître inconditionnel, c'est Papus, mais je me base aussi sur d'autres références et d'autres notamment plus modernes. Alors, on va commencer, Alina, avec le décortiquage de cette lame numéro 2 de la papesse. Et déjà, par la première question, que voit-on ? Alors, que vois-tu, Alina, sur cette lame ? Là, je vois plein de choses, et notamment, justement, on a oublié de préciser au Witchy, s'il le souhaitait, qu'il pouvait chercher justement cette lame, cette carte, l'illustration de cette papesse, et pour pouvoir un petit peu faire comme nous, en direct, quoi, ce serait bien. Et donc, moi, ce que je vois, eh ben écoute, je vois une dame, voilà, qui tient un magnifique livre, donc moi, je suppose que c'est un grimoire, mais je sais pas. En tout cas, c'est un livre, on a l'impression qu'il recèle plein de mystères. Il y a des couleurs voilà, vraiment intenses, comme le rouge, le bleu, le blanc, couleur chair. Elle a un joli homme sur la tête, je dirais une couronne aussi, drapée de blanc. Voilà, elle regarde en direction donc gauche. Donc on avait déjà spécifié, je me souviens avec Robert notamment sur le chat, je sais que Robert transmet aussi plein de belles choses et plein d'autres auditeurs aussi sur le chat. Donc allez sur le chat les amis, vous allez voir, ça fourmille sur le chat à chaque fois. Et on disait que la gauche... Oui, et puis sur le chat, Alina, je vais te couper un petit peu, on peut même envoyer un lien où on peut trouver plus facilement l'arcane sur le moteur de recherche sans la chercher pendant longtemps, quoi. Ah bah oui, pourquoi pas. Très bonne idée, Mimi. Eh oui. Et donc, à ce moment-là, vous aurez le lien, les amis, sur le chat, qui va arriver. Ensuite, donc, elle regarde en direction donc de la gauche. Pour moi, c'est le passé, de ce que j'avais compris. Mais tu nous avais aussi expliqué lors de la précédente émission qu'il y avait aussi une... fallait voir si on était nous-mêmes concernés par la lame, si on le regardait en tant que celui qui se faisait faire les cartes, le tirage, ou si on regardait à travers eh bien la personne à qui on faisait le tirage. Donc là, voilà. Et sinon, au niveau arrière, il y a du blanc. Donc je suppose qu'il y a quand même un symbolisme autour du blanc que l'on avait déjà cité le mois dernier. Voilà. Oui, c'est déjà une bonne première approche, Alina. C'est très bien. Et puis je vais compléter tout ça en y mettant un peu plus de détails, comme à l'accoutumée, hein. Alors, moi, sur cette lame, j'y vois une dame. Donc là, on se rejoint. Hein. Et cette dame a un livre ouvert sur ses genoux. Hein. Et à un endroit précis, on peut y voir qu'il lui délivre un message. Tu vois, si on voit comme des petits traits, comme une écriture sur le livre, malgré que sa tête est à droite. Elle regarde dans la même direction que l'arcane du battleur. Je sais pas si tu t'en souviens. Hein. Oui, alors c'est vrai que pour moi c'est à gauche, mais disais à droite pour toi. Oui. Alors tout dépend si on se met à la place de la personne qui est sur la carte ou si on la regarde face à elle, tu sais, comme dans un miroir, quoi. Tout à fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'il y a une petite subtilité entre les deux. Alors, dans son dos, on peut voir qu'elle porte une sorte de grande coiffe. On dirait même des ailes, tellement elles sont grandes, de couleur chair. Sur sa tête, alors, elle porte, ça s'appelle une tiare, Alina. Ah. En fait, c'est une couronne à trois étages. Et sur cette couronne, on peut y voir des fleurs jaunes, des fleurs rouges et une croix. Alors, on ne voit pas bien si elle est noire ou vert, hein, cette croix verte. On ne voit pas ses cheveux, par contre, parce qu'ils sont recouverts d'un linge blanc qu'elle porte. Hein. Derrière elle, on voit aussi comme une sorte
de trônes, de piliers aussi avec du blanc, hein. Tu vois, ces hachures noires nous indiquent qu'il y a quelque chose d'autre derrière elle, hein. Elle porte aussi une longue cape bleue avec un col jaune et une attache jaune, hein. Sous sa cape, on voit qu'elle porte une robe rouge avec une croix qui traverse vraiment tout son buste, une grande croix, hein, jaune. Et les manches de cette robe sont de couleur chair, comme ses mains, de la même couleur, hein. Et alors on voit que cette dame est vraiment imposante, elle prend toute la place sur la lame, hein. Et si tu regardes bien, sa tiare à trois étages est tellement grande, ben, qu'elle sort même de la carte, qu'elle va directement dans le cartouche où il y a le 2 en chiffre romain. Et donc, selon toi, maintenant qu'on a un peu plus décrit cette lame, quelle est la couleur dominante pour toi, celle qu'on voit le plus? Alors, j'hésite entre trois couleurs. J'hésite entre le bleu, le rouge. Alors, fais-moi un ordre. La première, celle qui est le plus, la deuxième et la troisième. Alors, à mes yeux, la couleur dominante serait le bleu, ensuite le blanc et ensuite le rouge. Alors, si on prend l'arrière-plan plus son voile, oui, le blanc arrive en deuxième position. Mais il n'y a pas à discuter, le bleu, c'est vraiment la première teinte, hein, sur cet arcane. Mmh. Ensuite, arrive à ex aequo le rouge et la couleur chair, qui est quand même très représentée, hein. Oui. Et oui, le blanc, c'est vraiment, comme je t'expliquais, si on prend tout en compte, oui, le blanc a une grande place, hein. Alors, on a dit que la couleur dominante était le bleu. Est-ce que tu te souviens de ce que veut dire le bleu? Le bleu roi relié à Jupiter. Mais encore? Relié au jeudi. Mais continue. Relié à la pureté, à la... Là, les amis, je suis en train de faire j'essaie de me souvenir. Attends. Tu veux que je t'aide ou je te laisse te souvenir? Je cherche dans ma mémoire. Le bleu roi, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est... Voilà, la royauté, c'est... Je suis loin? Oui, non, mais c'est juste. Mais encore, c'est aussi la couleur de l'eau, des océans, ah oui, tu vois, j'y pense de tout ce qui est fluide, ce qui circule. De l'émotion, voilà, ouais. C'est que j'y pense pas mais... à ça. Mais, pardon? J'y pense pas du tout à ça. Moi, je pense tout de suite au bleu roi, tu vois. Ouais. Royal. Après, si tu veux aller plus loin, le bleu, que ce soit le bleu ou le bleu roi, c'est la nuit, c'est l'âme, c'est la féminité, c'est le côté passif aussi. C'est la couleur du secret. Et là, on est en plein dedans. On essaye de découvrir des secrets. C'est aussi en lien avec la spiritualité, donc spiritualité au sens large, hein, du terme. C'est aussi les sentiments, c'est vraiment... Et puis, ça dégage aussi une paix, une tranquillité, tu vois, ce bleu profond, hein. Ça donne aussi une couleur, comme je te disais avant, d'harmonie. Mais c'est aussi un attachement au père, si tu vas du côté psychologique. Je sais que t'aimes bien ce domaine-là. Oui. Alors, c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, il y a un côté voilà, mystique qui ressort maintenant que tu m'en parles. Mm. Et aussi, le bleu comme le jaune, mais là, le jaune, il y en a moins, c'est aussi en lien avec le céleste, tu vois? Oui. Donc, on se rend compte que le bleu étant dominant dans cet arcane, on est en présence déjà. Alors, on voit que ça. Il y a déjà une énergie féminine qui dégage de cette carte, hein. Je pense que et de sagesse. Tu vas pas me contredire là. Hein. Et puis de sagesse aussi. Hein. Oui. De spiritualité, de secret, de paix,
de sagesse, tu vois. Ouais. C'est l'atmosphère générale qui se dégage, on va dire. Alors, on arrive maintenant au blanc. Alors, le blanc, on se souvient, hein, c'est la couleur opposée au noir. Hein. On fait pas plus opposé. Et on voit bien dans l'arcane, mis à part quelques hachures, le noir est très peu présent cette fois-ci. Donc le blanc, c'est la couleur de la grâce, de la transfiguration, de la révélation. On va apprendre quelque chose. Le blanc, c'est aussi une couleur qui allie toutes les couleurs. Elles sont toutes là, elles sont présentes. Et elle représente la pureté aussi, la grâce, l'esprit divin, l'élément de la lumière. Elle symbolise aussi l'initiation. On est en plein dedans avec notre amie la papesse, parce qu'elle est avec son livre ouvert. Elle est en train de s'initier à quelque chose de nouveau. Elle peut aussi avoir une inspiration divine. Alors, peu importe le dieu, hein, mais quelque chose qui l'inspire et qui fait que elle apprend, elle est dans le chemin de l'apprentissage, mais aussi elle va passer de manière plus subtile d'un état à un autre. C'est le début d'un cycle, on est vers le futur là, les choses en devenir, hein, quelque part, parce que le fait qu'elle est dans le côté de cet apprentissage avec ce livre, hein, elle va peut-être découvrir des mystères, et puis tout ça, son petit cheminement va faire qu'elle va se transformer. Ensuite, on arrive à la couleur chair. Alors, la couleur chair, c'est la couleur du matériel, plus précisément, c'est la peau, par extension, l'incarnation, la condition humaine, la chair. C'est une couleur qui est ni positive ni négative, comme je vous l'en ai déjà parlé, hein, mais elle est en lien avec le psychisme humain. Alors il y a des fois une ambiguïté, car on peut mêler le ciel, l'enfer, la violence, la paix, mais dans l'absolu, c'est vraiment une couleur, on va dire quelque part neutre, qui symbolise le présent. Et oui, notre papesse, eh bien là, elle est ancrée, elle est bien dans la matière, elle est bien humaine, elle est bien vivante, et elle est sur le chemin de sa nouvelle vie, quelque part, hein. Et on se rend compte que elle est au début de son cheminement, hein. Ensuite, on a la couleur rouge. Alors, la couleur rouge, c'est quelque chose de plus dynamique. On sent l'énergie. Il y a de la puissance. C'est la couleur de l'amour, de la passion aussi par excellence, hein. On voit bien là le rouge, qui est positionné justement au centre de la lame, et puis un peu plus haut dans sa tiare avec quelques pétales rouges, et ça donne toute l'impulsion, toute l'énergie qu'il faut pour entrer en apprentissage. Donc on se rend compte que il se passe quelque chose, c'est puissant, et on est dans le côté de la vie, de la matière, c'est positif, il va y arriver des choses, il va se passer quelque chose. C'est aussi une couleur en lien avec la chaleur, hein. Alors là, même au début, je vous disais que le bleu, et puis notre papesse, c'est l'énergie féminine, mais avec ce rouge, on a une pointe d'énergie aussi masculine. C'est ce côté masculin qui va nous donner l'énergie suffisante pour passer à l'action, pour faire notre apprentissage, hein. Et ensuite, je vais vous parler du jaune. Alors, le jaune, c'est une couleur qui est
en lien avec le soleil, la chaleur, ça montre la vie. Notre papesse est bien vivante. En plus, le jaune est vraiment localisé sur sa tête, au niveau du cou et sur son torse. Donc, on se rend bien compte que c'est la tête, le cerveau, la gorge, c'est ce qui permet de parler. Et le torse, ben, c'est le cœur, c'est le souffle de vie. On voit bien que, ben, ça lui donne cette force, le mouvement, l'implosion, et qui permet aussi de transformer les choses. Les alchimistes, le jaune d'ailleurs, c'est une couleur en lien avec l'alchimie, et notamment les alchimistes, c'était la pierre philosophale qui transforme tous les métaux en or, c'était le but de leur quête. Et l'or, ben, c'est nouveau cette couleur jaune. Et dans notre cas, concernant la papesse, c'est son apprentissage, la découverte des mystères qui va transformer notre papesse, qui va la changer, qui va faire d'elle la suite, qui va donner des changements, mais subtils, pas brusques, comme un apprentissage, ça prend du temps. Alors maintenant, on va aller du côté des objets symboliques, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Alina, concernant les couleurs. Alors, j'ai trouvé hyper pertinent, effectivement, que tu m'envoies entre-temps la fameuse image où on peut voir justement et la papesse et le battleur. Et j'avais surtout une question, mais ce sera autour des chiffres. Et avant qu'on passe justement à cette partie-là, hein, ma très chère Mimi, on va peut-être faire une petite pause musicale. Oui, bien sûr, si tu veux, pas de souci. Hein, parce que ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est avec les Witches, donc peut-être une petite pause musicale. Et puis après coup, on passe à la deuxième partie sur le décortiquage des chiffres. À tout à l'heure, Mimi, à tout à l'heure, les Witches. À tout à l'heure, Alina. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Eh bien, après cette petite pause musicale, voici la deuxième partie donc de l'émission autour de la lame numéro 2, donc de la papesse. Et là, Mimi va décortiquer tout ce qui est en lien avec les chiffres. Oui, on va continuer avec les chiffres. Alors, comme pour les couleurs, il y a des chiffres qui vont se répéter de semaine en semaine, vous en douterez, mais pas tous non plus, et il va falloir en prendre, en laisser, quoi. Alors, on va commencer avec le chiffre 1. Alors, on se souvient, le chiffre 1, c'est le règne minéral, c'est le début, c'est le commencement. On voit juste un trait, ce qui indique l'immobilité. Donc on est là, statique, c'est l'apparition, c'est le commencement dans la matière, et on est prêt à apprendre, à être façonné, à découvrir de nouvelles choses. On est au début, au commencement. Nous, on ne s'arrête pas au chiffre 1. Hein. Alors on l'avait vu la semaine dernière, le 1, pour nos amis les kabbalistes, En gématrie, le 1, c'est la lettre hébraïque Aleph, qui est en lien avec le divin, le commencement. On comprend pourquoi on est au début des choses. Et pour nos amis les francs-maçons, le 1, c'est l'œil qui voit tout, c'est le delta lumineux. Autrement dit, c'est l'œil de notre conscience,
Et on en a besoin de cet œil, de notre conscience pour entrer en chemin de notre apprentissage. Avec la papesse, on arrive au chiffre 2. Là, on est dans un chiffre qui est double. Il est dans les courbes. Il est à la fois positif et négatif parce qu'il représente la dualité, la rivalité, ou il est présent dans l'amour, dans l'amitié aussi. C'est dès qu'on n'est plus seul, eh ben il y a un 2 quelque part, hein. Et on a ce qu'on peut dire une union qui peut être équilibrée ou opposée, et une paire comme les jumeaux peut être fusionnelle dans un couple. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, il y a des forces, il y a une identité. Il se passe quelque chose. Alors, dans la Bible, le 2 a une connotation plutôt négative. On pense à la dualité des deux frères, hein, Caïn et Abel, hein, dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, ils sont même deux frères ennemis, ils se rivalisent, il y a le combat, hein, entre les deux. Donc on voit le côté ombre, le côté sombre aussi. Mais l'apprentissage, c'est pas que la lumière, on peut découvrir aussi le côté sombre et le côté lumineux. Et on a toujours dans cette dualité, on a le masculin qui est opposé au féminin, le chaud, le froid, le blanc, le noir, le yin, le yang, le matériel, le spirituel. En fin de compte, avec ce 2, ça représente tous les apprentissages possibles dans la vie. En numérologie, le 2, c'est une énergie féminine, c'est la mère, c'est la division quelque part, et la multiplication. Donc on est en présence de à nouveau cette fameuse énergie féminine. En astrologie, on le sait, hein, c'est le signe des Gémeaux, hein, le 2 qui est associé, hein, et qui caractérise cette capacité de synthèse, d'adaptation. Ce qui est aussi important lors de l'apprentissage. Mais après, on peut être indécis, dispersé. On n'a pas encore tous les éléments. On part des fois encore un peu dans tous les sens. On peut être contradictoire. Il faut que l'on évolue. Ensuite, on arrive au chiffre 3. Alors là, on est dans le règne animal. On a deux courbes. L'animal est relié à la terre, hein, mais aussi au ciel. En revanche, il n'est attaché ni à l'un ni à l'autre. Donc il y a le côté qui fait qu'il est esclave de ses émotions. Donc il faut apprendre à les gérer. Et c'est ce qui peut nous arriver au moment de l'apprentissage. On peut être, on apprend quelque chose et waouh, on est tout enflammé et on quitte terre et on s'y consacre pleinement, peut-être même plus que ce qu'on devrait, quoi. Mais il faut apprendre à dompter tout ça, quoi. Même si c'est ni bon ni mauvais pour nous, il faut quand même apprendre à gérer les choses, quoi. Et on est au début, on a le temps, hein. Les deux courbes, hein, peuvent symboliser aussi le fait de cet apprentissage, hein. On peut apprendre différentes choses. Quand on est un animal, par exemple avec notre bouche, on peut apprendre à mordre ou à embrasser. Donc on n'a pas la même symbolique des choses. Et on peut être à la fois proie et prédateur selon les situations, hein.
Donc il faut apprendre vraiment à gérer aussi nos émotions au moment de l'apprentissage, quoi. Et ben ce qui peut des fois aussi nous aider à apprendre, ben avant de passer à l'action, ben c'est de penser, de réfléchir avant de parler ou d'agir aussi, hein. Et en gémanterie, c'est le guimel, hein. Donc le guimel, c'est l'esprit actif, c'est celui qui crée, c'est le corps passif, celui qui est créé, c'est l'âme à la fois active et passive. Donc l'idéal serait de lier les deux dans notre apprentissage, hein. Et les francs-maçons nous le rappellent bien, parce que le 3 correspond au chiffre de l'apprenti. Même si on a déjà évolué avec la papesse, on est encore quelque part un apprenti, hein. Bon, pour ma part, mais ça n'engage que moi, hein, on est apprenti toute sa vie. Je sais pas ce que t'en penses, Alina. Ah, tu as raison. Et même quand on a du savoir, on est toujours apprenti, hein, apprenti dans son cœur. Oui, et puis on ne peut pas tout savoir. C'est un éternel apprentissage dans différents domaines aussi, hein. Et puis, comme on dit, l'erreur est humaine, on peut aussi se tromper, aller dans un mauvais chemin en étant persuadé que, ben, que c'est juste, hein. Ça peut arriver, hein, de se tromper, hein. Ah, totalement, totalement. Alors, tu parlais des chiffres, mais est-ce que tu t'amuses à décortiquer le nombre de lettres qui se trouvent, par exemple, dans le nom de la lame? Non, ça, j'ai pas fait. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, parce que justement, Mimi m'a transmis tout à l'heure, pendant la pause musicale, les deux cartes à coller l'une à l'autre, donc la papesse et l'initié, quoi, le battleur. Et donc, je me suis amusée, vu que je les avais vraiment en pleine figure, je me suis amusée à compter le nombre de lettres du nom de chaque lame. Donc, le battleur, donc, si on compte juste battleur, il y a huit lettres. Et si on compte le nombre de lettres pour la papesse, il y a sept lettres. Et je remarque, alors peut-être que pour la suite, ça va être le cas ou pas, mais il y a un symbolisme peut-être autour du nombre de lettres du battleur et un symbolisme peut-être autour du nombre de lettres de la papesse. Et si on prend la papesse, le chiffre, c'est le 7. C'est possible, hein. Donc j'ai pas fait de recherche dans ce sens-là. Donc le 7, je ne l'ai pas décortiqué. Par contre, j'ai le 8. Et le 8, c'est en lien avec l'infini, c'est l'équilibre. Donc c'est, tu sais, le fameux 8 couché là qui symbolise Ouroboros. Voilà. Oui. Mais en plus, je crois que tu nous en avais parlé la dernière fois. La semaine dernière, je vous en avais parlé avec le 8, ça oui. Et le 7, non, j'ai pas fait de recherche spécifique concernant le 7, mais de mémoire, le 7. Alors, si tu veux, j'ai quelques petits éléments d'information sur le 7. Alors, c'est assez hallucinant, parce que le 8, donc tu nous as expliqué ce que ça signifiait, et en plus, battleur, il y a 8 lettres. Alors, c'est énorme. Mmh. Et là, la papesse, 7 lettres, donc le chiffre 7, c'est celui qui est lié à la chance et à la connaissance. C'est un chiffre qui est magique, qui symbole l'esprit et la vérité, qui symbolise le mysticisme également. Un esprit qui devient éclairé, qui est né sous une influence positive également. Donc, c'est le cheminement logique de la papesse. Oui, et le 7, c'est aussi, on peut dire une croix, c'est 6 directions plus un point central, tu vois. Oui. Donc, on peut partir dans aller dans notre apprentissage dans n'importe quelle direction. En fin de compte, on est au début, là, encore. Hein. Et puis, on peut en choisir un, mais on peut revenir en prendre un autre. C'est aussi possible, hein. Et si tu décortiques encore un peu plus, t'as le 3 et t'as le 4. Donc le 3, c'est nouveau en lien avec le 7, le divin, et le 4 avec la terre, tu vois. Oui. Donc elle est bien ancrée sur terre et
pour aller évoluer dans d'autres sphères éventuellement, hein, selon l'apprentissage qu'elle va choisir de faire. D'accord. Alors, si en plus on croit aussi au symbolisme des chemins de vie qui sont en lien avec le chiffre 7, en gros, ça représente, alors je schématise hein, toujours, une recherche les amis, ce serait donc la quête des vérités universelles. Oui, quelque part c'est dirigé vers l'absolu, vers la connaissance, comme tu dis, mais ça peut aussi être l'originalité, la vie intérieure, ça peut être d'autres choses, tu vois. Oui, comme la quête. C'est très vaste, hein. Quand je vous parle d'un nombre, d'un chiffre, d'un objet, quand je vous mets une symbolique, je vous dis pas tout. J'essaye de prendre deux, trois choses que je trouve pertinentes sur le moment, mais c'est bien d'aller creuser plus loin, voir ce qui vous parle aussi, quoi. Oui. En fait, tu nous mets le pied à l'étrier, en fait, tu vois. Et c'est ça qui est... Oui, on peut dire ça. Ah ouais, totalement, hein, Mimi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est énorme. Ah bah tant mieux, contente que ça te plaise, parce que pour revenir au chiffre 7, c'est aussi une révolution. Et une révolution, ça veut dire changement quelque part. Hein. Ouais. Donc il y a peut-être des choses qui se passent en toi depuis que je te parle du tarot là. Ouais, en fait je kiffe. Comme disent les jeunes. Je kiffe. Je te laisse continuer, ma petite Mimi. Pas de souci. Donc, nous, on n'était pas encore arrivés au 7 et au 8 parce qu'il y avait le 4 encore avant. Et le 4, c'est quelque part un carrefour. C'est son libre arbitre. Donc, on a le choix d'évoluer vers le côté homme sage, vers régresser au stade animal. En fait, quelque part, on a le choix de notre initiation. On peut choisir quelle direction on a envie d'évoluer, tu vois. Après, le 4, c'est aussi, ben ça, vous le savez, hein, les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 phases de lune, les 4 saisons, les 4 éléments, et j'en passe, quoi. Hein. Le 4, c'est vraiment vaste, mais c'est en lien avec le terrestre. Donc, on se rend compte à nouveau que notre amie, la papesse, est ancrée. Elle est dans la matière, quoi. Hein. Donc, le 8, Alina, tu en as parlé. J'en ai parlé. Je vais peut-être pas revenir dessus. Peut-être juste rajouter que ça peut être aussi en lien avec la rose des vents, hein, le nombre de pétales de la fleur de lotus. On se rend compte que le 8 aussi a une symbolique dans différentes... je cherche mes mots. Dans différentes traditions, hein, que ce soit chez les Incas, les Bouddhistes, dans la Bible, au niveau des anges. Enfin bref, le 8 est présent partout. Ensuite, on a le 16 pour cet arcane. Et alors, le 16, on apprend que ça peut être la maison Dieu ou une croix hindoue. Et en fait, c'est le carré de 4. Donc, je vous renvoie de nouveau à ce que veut dire le 4. Le 4, c'est l'accomplissement, la puissance matérielle. Bon, je vous dis un peu autre chose pour résumer, pour pas me répéter tout le temps. Hein. Le double 8, donc la multiplication des cycles de renaissance, par exemple. Le 16, c'est aussi un nombre karmique. Les personnes qui ont un lien avec ce chiffre 16, alors je sais pas si tu as un lien, toi, particulièrement avec le chiffre 16, bah oui. Sont des personnes... Pardon ? Bah oui, j'ai un lien parce que je suis née le 16 octobre. Ah bah voilà. Donc, ils sont sous l'influence de la voie des études supérieures. Je sais pas si ça te parle, ce que je te dis, là. Ben, j'en ai pas fait. Hein? Mais bon, le fait de t'auto-former, c'est aussi aller au-dessus de tes études initiales aussi, hein. Oui. C'est aussi une forme d'études supérieures, tu vois. C'est pas que quand on va en fac, hein. Oui. Après, le 16, ils ont aussi besoin d'introspection pour avancer. Alors, je sais pas si c'est ton cas. Total.
c'est aussi des personnes qui sont sous cette influence, sont souvent des écrivains, des guérisseurs, des acteurs, des comédiens. C'est vraiment vaste, les personnes, et puis j'en passe, qui ont cette symbolique du chiffre 16. Et le 16, si on le décortique, on a 1 plus 6 et on arrive nouveau à ton fameux chiffre 7, qui est l'introspection, l'intuition. Et pour l'apprentissage, on a besoin aussi de rentrer en introspection, mais aussi des fois d'avoir une intuition quand on n'a pas forcément toujours la réponse et qu'on n'a pas toujours compris un raisonnement ou quelque chose. Donc s'il y a aussi ce côté-là qui est pas négligeable avec le 16, mais par extension le 7, quoi. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que justement, il y a quelque temps en arrière, tu nous parlais justement avec les chiffres, tu sais, quand dans la chronique de l'effet Mimi de le dimanche matin, et j'avais pas pensé du tout à décortiquer en fin de compte en numérologie mon jour de naissance. Donc, c'est grâce à Mimi que j'ai découvert plein de choses autour du 16. Bon, des choses qui sont assez personnelles parce que bien évidemment, ça rentre aussi en corrélation avec votre personnalité, que ce soit le côté positif dans la personnalité, mais aussi le côté plus sombre. Et j'avais fait plein de recherches, donc je regarde ça dans mes petits bouquins de mémoire. Mais c'est grâce à toi, en fait, que j'ai eu l'envie d'en savoir un petit peu plus sur le chiffre 16, notamment. Et c'est le 16 octobre, c'est le jour de la fête du chaudron aussi, pour info. Oui, ça, tu me l'avais dit, parce que je ne savais pas que le chaudron avait un jour de fête. Et en plus, le jour de ton anniversaire, c'est tout à ton honneur. C'est magique. Je pense peut-être, parce qu'au départ, je ne le savais pas, que y a peut-être une corrélation sur le fait que je sois fan des chaudrons. Je ne sais pas. C'est peut-être un lien, oui. Peut-être. Donc, j'en ai fini avec les chiffres, Alina. Oui. J'espère que ça t'a convenu, que tu as eu des éléments supplémentaires, ainsi que les witches, pour aller plus loin dans cet arcane de la papesse. Oui, c'était magique, ma petite Mimi. On a hâte de voir la suite. Donc, la suite, c'est ? Eh ben, c'est les objets. Ah, les objets enchanteurs. On se retrouve juste après la petite pause musicale, ma petite Mimi. Avec grand plaisir, Alina. À tout de suite. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et on se retrouve, les amis, pour la troisième partie de la soirée. Et oui, et oui, après une petite pause musicale, maintenant on va parler des objets. Enfin, Mimi va nous parler des objets que l'on voit chez cette fameuse papesse, cette carte de l'âme numéro 2. Oui, on va continuer avec les objets. Le premier objet dont lequel on va parler, c'est la couronne, Alina. Oui, que moi j'appelais le home tout à l'heure. Oui. Alors le home, c'est on est en chevalerie là, c'est pour les messieurs, oui. Les chevaliers. Oui. Et cette couronne, elle est particulière, on l'appelle la tiare, parce qu'elle a 3 étages. Et en fait, généralement, et c'est pour ça, je pense qu'on l'a nommée papesse, cet arcane, ce sont les papes qui portaient cette tiare sur leur tête lors d'une cérémonie sonalelle jusqu'à Paul VI. Donc Paul VI, c'était jusqu'en 78. Bon, t'étais pas née, toi, Alina. Pas longtemps après, je suis née 2 ans après. Ouais. Et donc ce sont une couronne particulière, mais la symbolique de la couronne lui va très bien aussi, et pas forcément que la triple couronne. Alors en fait, la couronne, c'est en lien avec la royauté, ça tu le sais,
tous les rois, les reines portent une couronne. Cette couronne se transmet de génération en génération, hein, comme le veut la tradition. Hein. Et la personne qui porte la couronne, c'est elle qui gouverne. Donc on peut dire que notre papesse, avec cette triple couronne, sa tiare, eh ben, elle gouverne sa vie. Elle fait ses choix pour elle-même. La couronne, souvent, est en forme de cercle. Donc là, on a trois cercles, hein, sur la tête. Et en fait, ça représente l'union, la protection et la perfection. Et portée sur la tête, elle représente aussi, ben, comme on peut s'en douter, l'autorité et le pouvoir. Et bon, on le sait, hein, la couronne, c'est un symbole universel, hein, donc pour tous les souverains et pays du monde, hein, et pas uniquement dans notre monde moderne, hein, mais aussi à l'époque égyptienne, par exemple, entre les dieux et Pharaon, hein, qui portaient aussi une couronne à leur manière, ou en Grèce antique, ou chez les Romains. En fait, également chez toutes les civilisations antiques jusqu'au Christ, quoi. Je pense que tu avais fait le lien avec la couronne et je sais pas si tu as quelque chose d'autre à nous ajouter concernant la couronne. Alors, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Effectivement, oui, je le savais, pour la couronne, c'était légitime, je pense. Parce que forcément, papesse, voilà, représente l'autorité. En plus, tout à l'heure, je te le disais aussi, hein, par rapport à la couleur bleu roi, c'est pour moi royauté. Donc, qui dit royauté, dit couronne. Donc, non, c'est très, très, très bien. Ok. Donc, on va continuer, hein, avec le livre, cette fois-ci. Hein. Alors, je pense que tu le sais, hein, les premiers livres étaient sur des parchemins. Hein, et là, on est chez nos amis égyptiens, hein, à nouveau. Hein. Et c'était il y a très longtemps, parce que ça remonte à environ 4000 ans, les premiers parchemins. Hein. Au fil des siècles, le livre a changé, son support a évolué. Hein. Les premiers, après, par la suite, étaient gravés dans la pierre ou des tablettes d'argile, il y a environ du 3e siècle avant Jésus-Christ, hein, en Mésopotamie. Ensuite, le livre, alors là, je vais faire un bond dans le temps, hein, mais à l'époque médiévale, les livres étaient dictés souvent ou alors recopiés par des moines copistes jusqu'à l'avènement de Gutenberg en 1455, hein, où il publia son premier livre. Donc les moines copistes du Moyen-Âge au fur et à mesure ont disparu progressivement vers 1470, et Gutenberg a vraiment révolutionné l'histoire du livre et de l'écriture. Et d'ailleurs, le premier livre qu'il a imprimé fut la Bible, que Luther a traduit en allemand, donc en langue vernaculaire, en langue du peuple, et le peuple a pu comprendre les écrits qui lui étaient, on va dire, pas destinés à l'époque, vu que c'était que il les entendait à la messe, et il ne pouvait pas les lire par eux-mêmes, ne maîtrisant pas le latin. Hein. Et maintenant, de nos jours, on crée même des livres audio, des livres numériques. D'ailleurs, c'est une bonne chose, hein, pour les personnes non-voyantes. Hein. C'est vraiment une avancée que je trouve importante, hein, pour eux, hein, parce que ça a dû leur changer la vie, comme l'invention du braille, quoi, hein, pour rédiger aussi les livres. Hein. Et tout cela veut dire que le livre a réussi à s'adapter au temps, aux époques, et notre papesse aussi, hein, avec son symbole d'apprentissage, de culture, de connaissance, d'évasion aussi, de sagesse. Ben, autant le livre sait s'adapter à tout,
notre papesse aussi est un écrin brut et elle peut aussi s'adapter à tout ce qui va lui arriver. Hein. Alors, je sais pas ce que t'en penses concernant le livre, Alina. Pour moi, ce livre-là, c'est le livre des mystères, tu vois. Le livre de la connaissance cachée, de l'évolution, de ce que représente cette personne et de son symbolisme. Voilà, c'est mythique. Enfin, c'est moi, je vois ce livre là, j'ai des papillons dans les yeux, quoi, tellement je me sens attirée par toute cette connaissance qui pourrait en fin de compte nous révéler à travers justement le cheminement que nous montre l'évolution de cette carte. Oui, complètement. Et selon les époques, les cultures, le livre du mystère n'est pas le même pour tout le monde. On a par exemple la Bible pour les chrétiens, mais tu peux avoir le livre des morts égyptiens, tu peux avoir quelque chose en lien avec la quête du Graal, la Rose-Croix. Chacun voit le côté mystérieux là où il en est et ce dont qu'il a envie de découvrir. Ouais, je comprends. Oui, parce qu'effectivement, l'évolution, c'est aussi en fonction du type, hein, de sujet que tu as envie de faire évoluer également. Tu vois, c'est pour toi la connaissance et l'évolution de cette connaissance passe par la découverte, je sais pas, d'un peuple X ou Y ou la découverte d'autre chose. Eh ben, ça fait partie de ta propre évolution. Donc, en fin de compte, autour de ce livre dont on ne sait rien, ce qui est mystérieux, en fin de compte, on nous dévoile ce que nous, on a envie peut-être au fond de nous de découvrir et de faire évoluer, tu vois, dans cette connaissance. Tout à fait. Et quelque part, avant de découvrir, c'est un mystère pour nous. Donc, peu importe, tout est mystérieux et à nous d'entamer cette quête si on veut aller jusqu'au bout. Et le livre est le support par excellence. C'est le seul qui a réussi à traverser le temps, les époques. On a encore de vieux livres qui arrivent jusqu'à nous, jusqu'aux plus modernes qui sont numériques. Tout à fait. Par contre, la façon dont elle positionne le livre, est-ce que ça peut avoir un sens? Parce que tu vois, on a l'impression, comme elle, on ne sait pas trop si elle est à semi-assise. On sent quand même qu'elle tient, enfin en même pensant, on voit qu'elle tient vraiment le livre des deux mains, donc qu'elle a envie, voilà, que le livre soit là, présent. Par contre, on n'a pas l'impression que c'est bancal, mais on la sent pas forcément bien à l'aise dans la manière dont elle est positionnée, tu vois, parce qu'il est, on a la sensation, comme tu disais au début d'émission, sur son genou, sur ses genoux, mais on la sent pas totalement assise. Alors moi, j'ai l'impression je sais pas si maintenant tu veux retenir quelque chose qui tient vraiment à cœur. Tu peux poser le livre comme ça sur tes yeux, sur tes genoux, pardon, et essayer de soit de l'apprendre par cœur ou trouver quelque chose de mémotechnique pour que tu puisses le retenir en toi, tu vois, quelque chose qui te parle. Moi, j'ai l'impression qu'elle est dans cette posture-là. Ah, qu'elle est en train de retenir quelque chose qu'elle a lu ou appris. Oui, et qui l'a touché, qui l'intéresse, tu vois, ou qu'elle a trouvé une solution d'un coup à une énigme, tu vois. Ouais, pas bête. Et tu as pas aussi la sensation qu'elle présente le livre à quelqu'un ou à quelque chose? Mais ça peut être les deux aussi, hein. Ouais. Qu'elle veut peut-être transmettre ce qu'elle a découvert, tu vois, ce qu'elle a envie de retenir et de donner aux autres. Ouais. Et peut-être même au niveau encore décortiquage, analyse, en fait, elle le positionne comme ça parce qu'elle donne justement une transmission à quelqu'un, à une assemblée, quelqu'un, quelque chose. Et en fait, elle connaît déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle est intéressée par le mystère que recèle ce livre, mais en même temps, elle le connaît. Et elle regarde face au passé. Enfin, dans ma vision, c'est face au passé. Hein. Elle regarde face au passé pour
j'essaie d'analyser, d'interpréter, pour la génération passée ou future, suivant comment tu positionnes la carte. Elle transmet quelque chose de passé à la génération future, tu vois ? Après, c'est peut-être aussi le livre de sa vie, hein. Oui, aussi, peut-être, pas bête, c'est Mimi. Mm-hmm. Ça peut être, après, ça peut être éventuellement plein de choses, quoi. Hein. Oui. Mais tu vois, on voit son regard quand même, bienveillant. Mm-hmm. Et c'est la sensation de la transmission, aussi. Je pense qu'il y a les deux. Oui. Dans la papesse. Elle apprend, mais pas pour elle. Elle veut communiquer. Elle veut pas tout garder pour elle, tu vois. Oui. C'est, il y a aussi quelque part de la transmission. C'est superbe, hein, ma petite Mimi. T'avais fini, non ? Concernant la couronne, oui, mais il y a d'autres objets encore. Hein. Ah oui, il me semblait bien. Hein. Donc on va arriver avec la croix. Alors la croix. N'est pas uniquement un symbole chrétien, hein. on la retrouve dans différentes cultures, mais et différents peuples aussi, hein, que ce soit chez les Celtes, chez les Égyptiens, même dans la monarchie plus tardivement, et au néolithique aussi, hein, la croix symbolisait le côté solaire, hein. C'était une croix dans un cercle, Anina. Hein. Après, pour la croix, tu as dit tout à l'heure, il y a le symbolisme du carrefour dans la sorcellerie, avec avec Hécate. C'est Hécate, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a aussi peut-être une association liée à la magie, peut-être aussi. Oui, la croisée des chemins, la décision à prendre vers où je vais orienter. Mon apprentissage. Mais aussi peut-être par rapport à un temps précis dans l'année, parce que forcément c'est aussi à ce carrefour-là que représente la croix d'Hécate au moment de Samhain. Donc il y a peut-être un lien aussi, peut-être un rapport avec ça. Et si tu prends l'analogie de la croix Kato, on est au printemps là. Ah. Avec Ostara, tu sais, si tu transposes au niveau païen, oui. Parce que Jésus va mourir sur la croix à la suite de la semaine sainte, tu vois, avant Pâques. Et il ressuscitera le troisième jour, donc le dimanche à Pâques. D'accord, donc on n'est pas... Par extension, Ostara, quoi. D'accord, donc on n'est pas forcément dans la même... La même symbolique. Ouais. Ah, c'est fou, ça aussi. Mmh. Ok, Mimi. Alors, on va continuer avec les fleurs, parce que c'est la première fois qu'il y a des fleurs dans l'arcane. Hein. Alors, depuis... c'est récent, hein, c'est tardif. Depuis 1960, la fleur est un symbole de paix et d'amour. Pendant plusieurs siècles, on offrait des fleurs, mais bon, pour se faire pardonner. Donc, ça n'était pas la même symbolique. Et quand on arrive à la génération qu'on a appelée les hippies, hein, qu'on nomme tous les trois mots en anglais, la peace and love, hein, ils ont choisi les fleurs pour cet emblème, quoi, hein, de paix et d'amour, justement pour contrecarrer la guerre au Vietnam. C'était leur manière à eux, pacifiste, de s'opposer à cette guerre. On a aussi le symbole du deuil en France avec les chrysanthèmes. Alors la chrysanthème, ça veut dire souvenir, solidarité. On a le bleuet en hommage aux anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves, les orphelins. Et je sais pas si tu es au courant, mais le bleuet sont particulièrement vendus le 11 novembre et le 8 mai. Et il sert à financer les œuvres sociales dont ils viennent en aide, tu vois, pour les victimes de guerre. Ah non, tu vois, tu me l'apprends, ouais.
Et on a aussi le lys, qui est symbole de royauté en France. Alors, il existe énormément de langages de fleurs, hein. Alors, si vous voulez offrir des fleurs à quelqu'un, pensez au message que la fleur peut sous-entendre, hein. Alors, dans notre exemple, avec la papesse, on a une fleur rouge. Alors, les fleurs rouges... tu verras dans le plan, hein. J'ai mis un petit tableau, bon, pas très grand, hein, que j'ai trouvé sur internet, et il y a, je vous ai mis l'adresse du site un peu plus bas, en dessous justement du tableau. On a le coquelicot qui est rouge, alors lui il veut dire consolation. Par contre, le coquelicot, faut se lever tôt, hein, pour faire un bouquet, hein. Petite, j'avais essayé, je sais pas si t'as déjà essayé de faire un bouquet de coquelicot à Alina. Ah non, jamais. Quand tu le cueilles, les pétales tombent. Ah, ouais, c'est triste. Oui, d'où peut-être la symbolique de la consolation. Oui. Mais la marilis est aussi une plante qui est rouge, hein, comme fleur, hein. Donc elle veut dire splendide beauté, veut dire fierté. On a des lupins qui sont presque rouges aussi, qui sont très foncés. Donc le lupin, lui, symbolise l'imagination. Bon, après j'ai pas toutes les fleurs sur ce que je vous ai mis, hein, dans ce petit tableau, mais il faut savoir que chaque fleur, d'ailleurs ça existe, hein, le langage des fleurs, chaque fleur correspond à un message. Ah non? Non, alors moi je connais pas du tout la symbolique des fleurs, hein, très sincèrement. À part la rose, comme beaucoup, hein, au niveau rose-rouge. Mais après ça dépend quelle couleur de rose. Hein. Oui, tout à fait. Si tu prends la rose jaune et que tu l'offres à ton amoureux, il va pas être content, hein. C'est clair. Il préférera la rouge ou la rose, hein. La blanche aussi, la blanche elle est bien. Ah oui, ça veut pas dire la même chose, hein. Ah oui. Ça veut dire. Après t'as le muguet qui est plus connu, c'est un porte-bonheur chez nous en France, tu vois. Oui. Donc on s'offre régulièrement au 1er mai. Mais bon, là, on n'a pas de muguet sur notre lame, mais c'est juste pour signaler que chaque couleur a sa symbolique et son message, quoi. Et maintenant, on va passer au voile, parce qu'on voit bien qu'elle a ce voile sur la tête, hein. Alors le voile est présent dans plusieurs cultures. Alors on en entend souvent parler de manière négative en France, notamment concernant les musulmans, hein. Leur voile s'appelle le hijab, et comme on est dans une société laïque, le voile n'est pas très bien perçu, vu que c'est considéré comme un signe ostentatoire religieux. Mais hijab, normalement, ça veut dire séparer deux choses. Donc, quelque part, ils veulent dire que selon si on le porte ou pas, la connaissance est cachée ou révélée. Chez les chrétiens, on retrouve aussi le voile, mais au niveau monastique, hein. Donc, le voile veut dire se séparer du monde et aussi se séparer... de l'autre monde, du monde de l'initié. En fait, quand tu entres dans les ordres, tu rentres dans le monde des initiés, d'où le fait que les religieuses portent le voile. Après, au temps de Jérusalem, il y avait aussi un voile qui séparait le saint des saints. C'était un vestibule saint où le grand prêtre avait droit d'y aller une fois par an. Chez les bouddhistes, le voile sert à dissimuler la réalité pure, mais entre la réalité, donc t'as le voile qui est révélé. Donc t'as en même temps l'intime vérité et l'identité du moi et du soi.
Bon, c'est un peu plus complexe pour nous, hein, ce qui se passe chez les bouddhistes, mais on se rend compte que le point commun entre toutes ces cultures, c'est que le voile est toujours là pour séparer quelque chose, le monde profane du monde religieux, on va dire, ou du monde profane, du monde initié. C'est vraiment quelque chose qui fait sens pour chacun de ces peuples au niveau de séparation entre deux états. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Alina, concernant le voile. Il y a aussi le voile par rapport au mariage. Oui, là c'est la même symbolique. Tu mets ton voile de mariée, tu es plus la jeune fille, tu deviens femme, tu rentres dans une autre dimension grâce au mariage, quoi. Est-ce que ça pourrait avoir le tu même changes type d'état? Ça pourrait avoir le même type de symbolique que le masque que l'on porte et que l'on dévoile après coup et qui nous transforme. Les personnes masquées, si tu regardes autour de nous, ça va être Zorro, ça va être Batman. La sorcière. Plus proche de nous, tu as les médecins ou alors avec le Covid, on était obligé de porter le masque, donc je vois pas trop la même symbolique qu'avec le voile. En fait, par le passé, c'est grâce à Antinous hein, qu'on a appris ça. D'ailleurs, il y a le replay des Mémoires du Chaudron sur la véritable origine de la sorcellerie en France. Et on apprend en fait que les sorcières, par le passé, mettaient un masque, tu sais, un petit peu un masque vénitien. Ah oui, pour pas être reconnues lorsqu'elles allaient au sabbat. Voilà, donc peut-être qu'il y a aussi un rapport, non? Au niveau peut-être, je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas. Mais les witches ont peut-être une idée et ils peuvent nous répondre. Oui, les witches. On fait appel à vous. Ou même les auditeurs qui écoutent l'émission de ce soir, hein, si vous voulez nous envoyer des messages, n'hésitez pas, contact@witchesradio.fr. Si vous avez la réponse autour de ça, peut-être qu'il y a une similitude entre le masque, où on se cache via une initiation possible ou parce qu'on veut se cacher par rapport à différentes choses. Et le voile, comme l'expliquait Mimi, qui sait ? Des fois, on trouve des corrélations sans le savoir avec différents objets. Donc, pourquoi pas ? Alors, petit élément complémentaire par rapport au passage du voile, en préparant l'émission avec Mimi, en faisant après coup le montage, j'ai pensé à autre chose concernant le voile. Voilà, parce que vous savez que là, on a la période, en fin de compte, de Samhain, où le voile est le plus fin entre les deux mondes, au moment de Samhain. Donc, peut-être qu'il y a là aussi une corrélation à se poser comme question concernant ce voile, la représentation de ce voile dans cette lame. De même, j'inviterai les witches qui ont, plein de questionnements autour de cette interprétation à nous envoyer leur message à contact@witchesradio.fr. Alors, on va continuer avec l'hébreu maintenant. Hein. Donc, la papesse correspond à la deuxième lettre hébraïque qui est le beth, B-E-T-H. Donc, le B, hein, sa valeur numérique est le 2. Alors, Beth, ça veut dire maison. En grec, elle correspond à la lettre bêta. Et en français, vous le savez, hein, c'est le B hein, qu'on prononce be hein, quand on apprend à lire. Hein. Alors en gémantrie, comme je vous ai dit, c'est le 2. Cette lettre est associée à la terre, donc la matière. On retrouve ce côté ancrage. Hein, et ça symbolise, comme je vous disais, la maison. Elle est en lien avec le symbolisme aussi de la planète Saturne et correspond au bleu. La caractéristique de la maison, donc le chez-soi, c'est le refuge, le foyer, nourricier, le contenant aussi, ça peut être comme la coupe du Graal. Avec le 2, on parle de commencement. Avec le 1, on parle de commencement, hein, le fameux
Aleph, et avec le B, on arrive avec la Torah, hein, avec Bereshit, qui veut dire au commencement. Donc dans le chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc on retrouve ce côté Reshit Bet, la maison, maison, fondation. Alors si l'on change la une voyelle, hein, on obtient Bet, B-E-I, qui veut dire chez ou école. Donc on se rend compte avec l'école qu'on est dans le côté apprentissage. Si à la place du on change nouveau la voyelle, on met I, donc bi, ça veut dire de grâce ou s'il vous plaît. Si on met un A, bat, ça veut dire fille. Et beit veut dire maison. Donc avec l'aleph, c'est le commencement, dans le sens de l'intention divine, le souffle du début. Avec bet, c'est les fondations qu'on est en train de mettre en place, comme lorsqu'on crée une maison. C'est la création de la terre, de l'univers dans la Torah. C'est notre terre, notre mère nourricière. La nature que l'on parle ici est en lien avec le cosmos. Donc Beth nous invite à vivre dans le partage, la fraternité, mais aussi le respect et prendre conscience de son unité et de sa beauté. Et si on prend le mot Bethléem, que tout le monde connaît, hein, cette ville, hein, eh ben ça veut dire maison du pain. Donc autrement dit, avec notre papesse, avec le battleur, avec Aleph, on était au commencement. C'était le sens, l'initiation divine. Avec Beth, on est en train de poser les fondations. Et les fondations, on les a grâce à la connaissance. C'est ce qui va nous permettre de devenir la personne qu'on est, quoi, hein, ou qu'on sera, la personne en devenir, plus exactement, hein. Et entre Aleph et Beth, on peut parler du couple père-mère, masculin-féminin. Cela induit ou évoque une dualité aussi, mais cela nous invite aussi à nous dépasser. Avec ce 2, hein, de la papesse, on est en présence avec la dualité qui est en lien avec le cycle et celui de Saturne. Saturne, ce fameux dieu romain agraire, Chronos chez les Grecs. Donc on est dans la partie du temps, des cycles. Je sais pas si tu veux nous dire un peu plus de choses, Alina, concernant Saturne en astrologie. Alors, enfin, je sais que tu t'y connais mieux que moi. On l'apprend, on dit souvent que Saturne est une planète négative, en fait, dans un thème. Alors que, ou même pas que dans un thème, hein, voilà, en astrologie. En tout cas, moi je perçois pas ça comme ça. Il y en a aussi beaucoup qui ne perçoivent pas Saturne comme une planète, alors je dirais pas maléfique, parce qu'en fait il y a un mot particulier, mais je me souviens plus précisément du mot. Mais en fait, Saturne, comme cette planète dans notre thème nous empêche de pouvoir vraiment évoluer rapidement. Tu vois, elle est toujours dans la demi-mesure, dans la lenteur. Elle nous envoie vraiment toutes ces ondes-là dans notre thème. Ça fait que souvent, ben voilà, quand on dit qu'on a du Saturne, qu'on est saturnien, qu'on est plus rustre, qu'on est plus tout ça, et aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de choses autour de la symbolique, de la mythologie autour de Chronos et la représentation même de Saturne, ça fait que ben, elle est représentée comme étant la planète, voilà, la plus sombre, enfin l'une des planètes les plus sombres, les plus noires, les plus difficiles à appréhender. Sauf que dans ma vision, en fait, Saturne, au contraire, c'est un cadeau, en fait, qu'on nous fait, à mon sens. Et justement, plus on est dans la lenteur, dans l'acceptation de cette lenteur, et ben mieux se passent les choses, puisqu'on a le temps de comprendre, d'analyser, de développer, de décortiquer les choses. On n'est pas dans l'action totale des choses. Donc ça fait que si vous avez beaucoup de Saturne dans votre thème, et que vous êtes notamment un Saturnien ou une Saturnienne, comme planète dominante, et ben vous aurez pas... Si vous avez Saturne en planète dominante, vous n'aurez pas cette complexité
à avoir dans cette lenteur, à apprendre au niveau des choses. Mais par contre, si vous avez pas mal de Saturne et qui sont mal aspectés, ou pas correctement aspectés dans votre thème, bah là, vous allez vous sentir mal, parce que vous allez vous dire, ouais, les choses ne vont pas assez vite pour moi, je vais pas assez vite dans telle et telle situation, même dans ma personnalité. Voilà. Donc voilà ce que je peux en dire moi pour ma part à mon petit niveau sur Saturne. Moi je le kiffe. Voilà, j'aime Saturne. Bah personnellement, je suis aussi saturnienne, tu le sais hein, le oui. C'est une planète dominante dans mon thème et je trouve que c'est important de prendre son temps au départ, poser des fondations. Les fondations, c'est ce qu'on va avoir besoin toute la vie. Donc, si on a des fondations bancales, on n'arrivera pas jusqu'au bout du chemin. Et ce que je disais avant concernant la papesse, et c'est pas étonnant que Saturne est présent, du coup, dans ma vision des choses, en fait, la papesse produit un changement, mais de manière subtile. Donc, elle pose les pierres d'un changement, d'un cycle à venir, mais subtil, renvoie au côté lenteur. Il est là, mais on le voit pas forcément, tu vois. Mais il donnera une transformation profonde. Du coup, on en a fini avec cette partie. L'hébreu est terminé. J'espère que ça n'a pas été assommant avec tout ce que je vous ai raconté. Et on va pouvoir faire une pause musicale avant de passer au final. Et oui, donc là, une petite pause. Et après, le final, bah, c'est quoi le final? C'est la conclusion, c'est le message. C'est le message de la papesse. Et puis aussi... comment s'approprier un peu plus notre amie la papesse dans notre quotidien. D'accord. Bah oui, comme la dernière fois. Oui, oui, oui. Voilà. À tout à l'heure, ma petite Mimi. Petite pause. À tout à l'heure, Alina. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio. La radio qui va vous enchanter. Eh bien, on se retrouve pour la fin de l'émission. Bien évidemment, vous le savez, dernière partie avec Mimi Mireille sur la papesse. Et là, la conclusion. Et puis, bah, comment se connecter à cette carte, Mimi? Tu as encore plein de belles choses à nous dire à ce sujet. Oui, bon, belle, tu me diras après, hein, mais j'ai encore pas mal de choses à dire, c'est vrai. Alors, on va commencer par le message de la papesse. Donc, la papesse, c'est le premier personnage féminin. Donc, on peut dire qu'il est en lien avec la mère ou la grand-mère. C'est celle qui transmet, en fait, l'idéal de la pureté, mais aussi la froideur normative. En fait, c'est elle qui l'a dans l'éducation. On remarque également ici le lien avec le chiffre 2, donc la dualité, hein, je vais pas vous refaire toute la symbolique du chiffre 2. En elle, on peut y voir une énergie de créateur, créatrice, hein. C'est justement elle qui est à l'initiative de son devenir, de sa vie, hein. Chaque couche de tissu, chaque pli, on n'en a même pas parlé, hein, des plis Alina dans son vêtement, hein, mais chaque... Oui ? Oui, je disais oui. Oui, chaque pli, en fait, évoque une variation de la réalité, et chaque variation est infinie, quoi, en fin de compte, hein. Donc... On voit que bah, il se passe quelque chose avec notre amie la papesse. Hein. Le voile est le voile du mystère, les choses qui sont en lien avec le mystère des philosophes, par exemple, les choses cachées, quoi. Hein. Et dans le monde,
on se rend bien compte avec la papesse que tout est énergie. Et la papesse, elle palpite, elle évolue dans la matière. Et sous ses pieds, la planète frémit. Elle vibre au rythme de l'univers, du feu, de l'océan, des tempêtes, des étoiles, etc. Bref, toutes les énergies sont en elle. Et c'est des énergies brutes qu'il faudra apprendre à dompter, à canaliser. Hein. Elles symbolisent aussi hein, ce qui est caché et qui détient tous les secrets de l'univers grâce au livre qui est sur ses genoux. Hein. Sous son manteau, il serait caché une clé, paraît-il. La clé qui donnerait accès aux annales akashiques. Cette bibliothèque qui contient les archives des civilisations passées sur la Terre et d'ailleurs dans tout l'univers, mais aussi les karmas de chacun. La papesse symbolise également la pureté, la grâce. Et grâce à cette pureté, elle nous permet de libérer des parties intactes, jamais blessées, qui sont en nous. En amour avec la papesse, on peut parler de l'union des âmes ou même des liaisons secrètes, mais aussi de relations avec beaucoup d'échanges. La papesse est en lien, ben ça on n'arrête pas de le dire depuis le début, avec la connaissance, et on s'est bien rendu compte avec Saturne aussi que c'est la patience, mais avec elle c'est aussi la fidélité, la pureté, la solitude. Elle apprend seule, hein, elle chemine sur son chemin toute seule, dans le chemin de la connaissance. Mais c'est aussi le silence. Pour apprendre, on a besoin de silence. Mais c'est aussi la gestation. C'est quelque chose de nouveau qui va se produire. La papesse, c'est également la prise de conscience. Avec le livre qu'elle a sur les genoux, on peut dire que les études sont importantes pour elle, hein, comme la connaissance, hein. Et les métiers en lien avec la papesse sont souvent des métiers qui sont dans l'enseignement, la formation, l'envie de transmettre est vraiment importante pour la papesse. Et je dirais peut-être même plus importante que peut-être pour d'autres arcanes. La couleur chair du livre nous indique que le livre est en lien avec l'étude dans l'incarnation de l'homme, donc c'est pas quelque chose de foncièrement abstrait, c'est quelque chose qui va servir. Il est dans la matière, ce livre. Il peut, par exemple, notre amie la papesse, hein, elle peut par exemple écrire un livre aussi, hein, ou le projet d'un livre est également en gestation, hein. Plein de choses tournent autour du livre. Elle est vraiment en lien avec le livre, la papesse. Hein. La papesse, c'est aussi la sévérité, mais sous l'aspect initiatique. Car en fin de compte, notre amie la papesse, elle a appris énormément de choses et elle va devenir un guide. Et en elle, il y a cette force pour tous les novices ou les apprentis pour trouver la force de traverser dans les épreuves de l'apprentissage. Hein. Son voile est en lien avec la tradition ésotérique et symbolise la connaissance qui est cachée aux profanes ou aux non-initiés aussi. Hein. On a souvent ça hein, dans beaucoup de croyances. Et il y aurait peut-être un lien, alors je sais pas si tu connais cette papesse, Alina, la papesse Jeanne. Ah, pas du tout. Alors, la papesse Jeanne est un personnage du Moyen-Âge. Alors, il y avait une rumeur qui disait que cette femme s'était habillée en homme pour se faire élire pape. Par contre, tu sais comment on a découvert que c'était une femme une fois qu'elle a été élue pape, hein? Non. Eh ben, elle aurait accouché. Accouché? Oui, elle aurait eu un bébé. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était une femme et pas un homme. Donc, elle aurait été même battue à mort. Alors, si cette histoire vous intéresse, je peux vous conseiller un livre qui est « La papesse Jeanne » de Donna Cross. C'est un livre que je possède. Hein.
Donc je vous ai mis la photo dans le plan ainsi qu'un lien pour aller voir ce livre. Par contre, on dit que depuis cet événement, après leur élection, on procède à un examen pour les papes pour voir s'ils sont vraiment un homme. Et cet examen s'appelle, alors en latin, Duos habet et bene pendant. Alors là, est-ce une légende ou la réalité? Je vous laisse à chacun faire votre propre investiture et voir ce que vous en pensez, si c'est réel ou fictif l'histoire que je viens de vous dire. Alors déjà, tu m'apprends un truc, je savais même pas qu'il existait effectivement un test autour des papes pour s'assurer que c'était bien des hommes, quoi. Alors c'est depuis l'histoire de cette papesse qu'on le dit. D'accord, un énorme. Alors, je vous l'ai dit volontairement en latin, hein, pas en français, parce que c'est pas très châtié comme langage. Alors, je vous laisserai tous aller voir sur Internet, ou tu veux que je te donne la traduction, Alina? Ah bah vas-y, hein. C'est un peu vulgaire, hein. Ah bah faut, de toute façon, hein, vu l'heure, hein, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de souci, hein. Alors, elles sont deux et bien pendantes. Et ça fait référence donc aux couilles du pape, quoi. Ah oui, d'accord. Allez, un petit peu de poussière d'étoile. Donc, je t'ai posé la question, hein, pour voir. Non, sans problème. Mais écoute, après, hein, je veux dire, ça fait partie du folklore, hein. Donc, on dit tout. Donc, chacun se fera son opinion si, selon eux, la papesse Jeanne a vraiment existé ou si c'est que de la fiction. Par contre, il y a beaucoup de livres, hein, qui en parlent, hein. Il n'y en a pas qu'un, hein. Moi, pour le plan, je vous en ai mis qu'un, mais il en existe plusieurs. Donc, on va peut-être continuer, Alina, et passer maintenant voir comment s'approprier un peu plus l'énergie de cette papesse. Oui, avec grand plaisir, ma petite Mimi. Oh. Alors, on va aller du côté de la lithothérapie. Et il y a donc deux pierres qui représentent bien la papesse. C'est la pierre lune noire. Alors, cette pierre, elle nous aide à assumer notre féminité quand on la porte sur soi, mais aussi elle dynamise les organes reproducteurs. Alors, si vous la mettez sous votre oreiller, elle nous aide à comprendre nos rêves et nous relie à notre inconscient pour se libérer du passé. Et la deuxième pierre, c'est une pierre de lune grise orangée et elle nous relie à notre créativité quand on la met sous l'oreiller ou qu'on l'utilise en méditation, hein. Et quand on la porte sur soi, elle nous aide à équilibrer les énergies dues aux règlements hormonaux, hein, notamment à la puberté ou à la ménopause, par exemple. Et dans certains cas, elle peut aussi également stimuler la libido et la fertilité, hein. Waouh. Alors personnellement, je n'ai pas de pierre de lune grise orangée ni de pierre de lune noire. Je savais même pas que les deux là existaient. Par contre, j'ai une pierre de lune, mais elle est blanche. Donc c'est pas les mêmes vertus, tout à fait, hein. Alors je sais pas. Bon, je sais que toi, les pierres, c'est pas trop ton univers. Alors c'est pas mon univers, mais en même temps la pierre de lune, j'en possède une, enfin même plusieurs blanches. Et il y a quelques années en arrière, j'avais échangé avec une ancienne arcadienne, peut-être même aujourd'hui devenue witches, hein. Je n'ai pas. Oui, je pense qu'elle est devenue witches. Et elle m'avait parlé justement d'un rêve qu'elle avait fait de moi et d'elle autour de la pierre de lune noire. Donc j'ai eu après coup grandement envie de développer voilà plein de choses autour de la pierre de lune noire. Donc oui, je connaissais la pierre de lune noire. Par contre, pas l'autre. L'orange, tu m'as dit? Oui, orangée, grise orangée. D'accord. Celle-ci, je ne la connaissais pas. Mais la pierre de lune noire, oui. Forcément. Alors, déjà, moi, j'adore le noir de base. Donc, après, je suis pas très
de lithothérapie, hein, c'est sûr, parce que j'ai encore pas vraiment cherché à comprendre, à connaître un petit peu toutes les vertus des pierres. Et même si j'utilise un petit peu les pierres dans ma pratique, je ne suis encore pas super, je suis novice, quoi. Hein, je suis voilà. Comme on dit, c'est avec le temps hein, que l'on se construit. Donc peut-être que dans un futur, tu vas m'initier ou même d'autres witches m'initieront à la lithothérapie. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose que je développe. Ah bref. La suite. Alors maintenant, on va aller voir les plantes ou les huiles essentielles. Donc on a le jasmin qui peut nous aider. Hein. Alors physique, on peut s'en servir en massage, elle décontracte les tensions musculaires, en inhalation, elle calme la nervosité, elle éloigne l'insomnie, atténue la toux, les toux sèches hein, ou irritantes, elle stimule la concentration. Et donc, le côté concentration est important quand on est dans l'apprentissage. Hein. Elle est aussi intéressante lors des séances de tantra, hein. Et si vous en mettez en diffusion, tu sais, avec les diffuseurs hein, dans une chambre, elle a des vertus aphrodisiaques hein, et euphorisantes. Et elle chasse la déprime passagère et elle est intéressante pour les personnes qui ont eu un bébé et qui souffrent notamment du baby blues après l'accouchement. Ah, tu me l'apprends, oui. Et maintenant, on en a une autre qui est aussi intéressante et c'est la mandarine. Oh, alors, la mandarine. Alors, c'est marrant que tu parles de la mandarine parce que mes anciennes collègues m'ont offert un mandarinier. C'est comme ça qu'on appelle ? Oui. Voilà, donc j'ai un mandarinier depuis peu qui pousse. Et donc, qu'est-ce que fait le mandarinier ? La mandarine ? Eh ben, tu pourras te relier avec ton mandarinier à la papesse, hein. Donc, physiquement, les voies orales, les laxatives et en fait, elle permet d'expulser les gaz aussi, hein, et elle est une alliée pour la digestion, hein. Au côté spirituel, elle aide à surmonter les blessures de l'enfance grâce à l'enfant intérieur. On peut avoir une prise de conscience aussi de l'importance du présent. Et le présent ne peut être changé. Hein. On a aussi au côté émotionnel et mental, en inhalation, elle permet la relaxation et elle nous calme, elle nous apporte du réconfort. À la tombée de la nuit, elle éloigne les angoisses, les peurs et permet un sommeil réparateur. Alors c'est vrai que souvent quand on est dans le chemin de l'apprentissage, on a souvent, on a peur de ne pas réussir, on se fait des montagnes de pas mal de choses, on a des préjugés, et en fin de compte, c'est important lors de l'apprentissage aussi d'avoir quelque chose qui nous en éloigne. Et le sommeil réparateur est important aussi bien dans l'apprentissage que pour tout. Donc ton mandarinier te permettra de te rapprocher de ta papesse, Alina. Énorme. Mais voilà, j'ai de la chance. Et notamment avec ton enfant intérieur aussi. Oui. D'accord. Alors on va aller voir maintenant du côté des chakras qui sont associés à la papesse. On a le chakra majeur, le coronal, hein. Il est en lien avec le spirituel, l'illumination, et la note si est en lien avec ce chakra. Hein. Donc, dans le plan, vous avez un lien pour aller sur YouTube pour l'écouter avec un bol de cristal, cette note si. Mais Alina va nous le faire écouter là aussi, hein, je pense. Oui, tu penses très bien. D'ailleurs, on va l'écouter maintenant. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, comme ça. Oui. Ah oui. Alors maintenant, on est en lien avec le chakra mineur et la papesse, c'est les oreilles. Et les oreilles, c'est vraiment important aussi pendant l'apprentissage parce que les personnes qui sont auditives vont pouvoir entendre pas mal de choses et les retenir.
Et c'est aussi un mode d'apprentissage. Donc, si vous regardez bien un peu plus bas, je vous ai mis un dessin hein, concernant les oreilles. Et sur le dessin, le chakra des oreilles se trouve au niveau des pommettes. Donc, le chakra en lien avec les oreilles est de couleur rouge-violette. Hein. Comme on peut, pour le chakra majeur, associer une note. Et c'est également la note si. Alors là, je voulais trouver avec des bols tibétains, mais en cuivre. Donc, le son, la sonorité n'est pas la même. Donc, si tu veux, si on a le temps, Alina, on peut aussi écouter la deuxième version de ces notes-ci. Alors, c'est parti, les amis, on écoute. Eh bien, Mimi, tu nous gâtes au niveau des sons. Hein. Franchement, c'est magique. Ah bah, contente que ça te plaise. Et les sons sont vraiment importants. Ils vibrent en nous et ils permettent de nous régénérer, d'équilibrer nos cellules. Ça a vraiment un bienfait intérieur aussi curatif, même si on s'en rend pas compte. D'ailleurs, je vous avais parlé il y a quelque temps de clank massage, ces massages que l'on fait par le son, la vibration sonore avec des bols tibétains. Alors maintenant, on a terminé avec le côté chakra, plante, pierre. Donc je vous réitère aussi ma petite mise en garde qui est attention, je suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un de ces maux, hein, il faut toujours aller consulter son médecin traitant, mais ça maintenant je pense que vous avez l'habitude et vous le savez. Alors maintenant je vais vous parler de pourquoi j'apprécie la papesse. Pour moi la papesse, on est bien dans le monde de l'apprentissage, on a une soif d'apprendre et... Avec elle, on pourrait même dire qu'une journée sans apprendre quelque chose est une journée de perdu. Donc la papesse nous invite à apprendre, mais pas uniquement dans les livres, mais partout autour de nous. Que l'apprentissage est omniprésent, il est partout dans notre vie. Elle a une soif, elle a un besoin d'apprendre, mais pas uniquement avec la raison ou l'apprentissage, mais aussi avec son cœur, voire elle peut aussi apprendre lors d'expérimentation de choses. Avec la papesse, on apprend comment faire, apprendre grâce au livre, l'intellectuel. On va aussi faire appel à la réflexion pour cet apprentissage. Elle englobe vraiment plein de choses. Pour ce faire, il est important aussi de connaître son propre apprentissage, son mode d'apprentissage. Est-ce que tu connais le tien, Alina ? Pas du tout. Ton mode d'apprentissage ? Non. Alors, il existe des tests pour savoir si on est plus une personne visuelle, auditive. En fait, il y a certaines personnes, ils vont voir quelque chose et ils sauront le refaire tout de suite. Ce sont les visuels. D'autres, ils vont entendre quelque chose, ça restera à jamais imprimé en eux. Ce sont des personnes auditives. Donc c'est important de savoir son mode de fonctionnement. Je sais pas toi, oui. Moi je suis une visuelle, mais si je voulais vraiment quelque chose que j'avais du mal à retenir quand j'étais plus jeune, bah, il fallait que je prenne ma plume et que je l'écrive. Alors avec l'ordinateur, c'est pas pareil. Là, je retiens pas de la même façon que de faire le geste avec mon stylo d'écrire chaque mot, chaque lettre. Je sais pas si toi t'as pu identifier quelque chose quand tu étais à l'école ou aujourd'hui. Alors plus aujourd'hui en tant qu'adulte et au fait que aussi que j'ai vraiment développé toute cette partie au niveau de l'oreille. Puis en plus je suis dans la musique, donc c'est peut-être pas voilà.
un truc qui se passe comme ça sans raison. Donc ouais, moi je suis beaucoup plus auditive en fait, hein. Moi c'est l'oreille. Oui, bah il existe même maintenant des jeunes, souvent des rappeurs qui c'est assez nouveau ça, qui font certains cours de philo ou des formules de maths qu'ils ont transcrits en rap pour que les jeunes l'apprennent en les écoutant chanter. Ah bah. Je sais pas si tu le savais. Je savais pas, Arthur, c'est marrant que tu dis ça parce que je faisais ça étant enfant. C'est-à-dire pour apprendre mes leçons, je les apprenais en chantant en fait. J'inventais une mélodie et j'apprenais par cœur le texte en chantant et je récitais, je chantais dans ma tête la mélodie et en fait, compte, après coup, je retranscrivais à l'oral et dans ma tête, je chantais en fait. Donc moi, la musique notamment et le son me permettent vraiment de développer davantage d'éléments au niveau de la connaissance. Oui, donc toi, tu étais une auditive depuis toujours. Ouais. Moi, quand j'étais enfant et que j'avais une interro ou quelque chose, je revoyais ma copie et je voyais exactement l'emplacement des mots sur ma feuille, tu vois. C'est fou, hein, c'est fou. Hein. Ouais. C'est vraiment complexe la mémoire et c'est bien d'apprendre à se connaître, tu vois, de ce côté-là. Hein. Totalement. Alors, la papesse, c'est aussi pour moi le changement qui se produit, comme j'arrêtais pas de te le dire de manière subtile. En fait, on pourrait dire presque à notre insu, quand on apprend de nouvelles choses, on évolue, mais on grandit, on mûrit, on comprend certaines choses et on se forme quelque part. Et des fois, on se rend peut-être même pas compte qu'on a changé parce que ça fait partie de nous. Il y a peut-être que les personnes autour de nous qui s'en rendent compte quand ils nous ont pas vus pendant un certain temps, par exemple. Hein. Alors, petite remarque, on peut apprendre à la lumière du soleil, mais on peut aussi apprendre à la lumière de la lune et par extension des étoiles. Donc, selon la lumière, on peut découvrir autre chose concernant un même sujet. On peut accéder au mystère de certaines choses pour aller plus loin. Alors qu'avec le soleil, on a un lien direct. On ne comprend pas toujours la même chose qu'avec la lumière de la lune. Donc, il s'ouvre à nous un autre chemin qui nous permet d'avancer sur un autre rythme pour arriver au même but quelque part, hein. Et si on regarde, tu te souviens, Alina, dans l'introduction que j'avais fait la dernière fois, je vous avais donné un tableau pour vous préciser les planètes qui sont en lien avec les lames, hein, les arcanes. Et selon Papus, la papesse est en lien avec la lune. Et la lune, eh ben, elle nous permet de découvrir les choses cachées, les mystères dans notre apprentissage. Enfin, je l'aperçois comme ça, tu vois. Oui. Ouais, je te comprends. Je ressens la même chose. Alors, avec la papesse, on a, comme je te disais, le chiffre 2, hein. Mais, en fait, on est, c'est un peu passif, même si on apprend, parce qu'on ne bouge pas, on est statique, tu vois, avec nos livres. Et c'est le reflet de la première, donc la première de l'arcane, le battleur, qui lui était actif, créateur, il avait plein de choses autour de lui, il était tout euphorique de tout découvrir en même temps. Là, la papesse, ça se canalise, hein. Et personnellement, je trouve, comme la papesse, que l'apprentissage, c'est important. Et il y a une phrase que je dis toujours, le jour où je n'apprendrai plus rien, ben je serai 6 pieds sous terre. Hein. Et du coup, ben, la papesse me représente bien. C'est pour cela que j'ai choisi le deuxième samedi du mois pour parler du tarot.
Voilà, c'était de ça que je voulais que tu parles, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez dingue, mais dingue dans le bon sens. C'est qu'en fin de compte, la papesse est venue à toi. Voilà, quand je t'ai posé la question de savoir justement quel dimanche, quel samedi soir tu voulais avoir pour faire le décortiquage du tarot de Marseille, des lames du tarot de Marseille. Là, tu as pris ton tarot. Tu t'es fait un tirage et la papesse est ressortie. Et donc la papesse représente le numéro 2. Voilà, donc la deuxième lame. Donc tu t'es dit, eh ben, on se retrouve chaque deuxième samedi du mois. Et donc ça fait partie voilà de l'expérience personnelle que tu as vécue autour de la papesse. Mais elle aussi, elle fait partie de ton quotidien, dans ta vision, dans ton cheminement en tant que witches. Donc c'est voilà, j'ai trouvé ça tellement merveilleux et magique de que tu nous fasses découvrir la papesse aussi à travers ta propre expérience. Bah de rien. Bon après quand j'ai pris mon tarot, j'ai pas pris toutes les cartes hein, parce que il y a généralement 4 samedis dans le mois, des fois 5, mais bon le 5e il compte pas. Le 1 était déjà occupé, donc il restait le 2, le 3 et le 4, tu vois. Donc j'ai pris les 3 arcanes restantes pour faire mon choix et je me suis dit bah oui, la papesse c'était vraiment une évidence quoi me concernant. Hein. Oui, bah c'est clair. Et puis en plus, c'est vrai que on perçoit vraiment, une fois qu'on connaît le symbolisme de la carte, de la lame, on perçoit vraiment la représentation de ce qu'elle est à travers toi. Et Isilion, on avait parlé, je me souviens, quand on avait fait une session tous les trois, lors de la saison dernière. Et c'est vrai que je trouve effectivement que la papesse te représente, mais merveilleusement bien en fait. Et elle représente aussi Saturne, je trouve, effectivement. La saturnienne, en fait, dans toute sa beauté. Oui, c'est un tout, quelque part. Et si tu te souviens, tu étais persuadée que j'allais prendre l'impératrice, hein. Ah ouais, mais en fait, non, l'impératrice, elle est plus jeunette, c'est ça, dans sa manière d'aborder les choses. Ben, c'est pas encore la même chose. On le découvrira ensemble le mois prochain, Alina. Ah, donc l'impératrice, c'est la lame numéro 3. Oui. D'accord, bah tu m'apprends quelque chose. Bah, donc là, je vais avouer quelque chose aux witches. Je ne connais pas le nom des lames par cœur. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour les witches qui nous écoutent ce soir, mais personnellement, voilà, moi j'apprends aussi au fur et à mesure. Et voilà, comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas tout, hein. Et c'est bien la preuve. Donc l'impératrice, c'est la numéro 3. Oui. Magnifique. Donc on verra hein, au mois de novembre. Ah ah, mystère autour de l'impératrice. Est-ce qu'on peut peu savoir quelque chose, un tout petit élément qui nous donnerait envie d'en savoir un petit peu plus? Eh ben, on sera en présence de la deuxième arcane féminine, tu vois? Oui. Déjà pour commencer. Ensuite, notre amie l'impératrice... donc aura cette fameuse énergie, comme je te dis, féminine, hein, qui est importante, je trouve, en tant que femme. Hein. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, elle m'émerveille. C'est comme la papesse, en fait. Ouais. En plus, tu sais que j'ai le tarot des magiciens, et moi, en fait, cette carte, elle m'émeut au plus haut point. La papesse et l'impératrice, c'est deux cartes m'émeut au plus haut point. Donc, dans la retranscription, l'illustration et le symbolisme du tarot des magiciens. Voilà ma petite Mimi, en ce qui me concerne. Donc, tu avais une petite conclusion également. Oui, alors, je vous invite à faire de la place à la papesse qui est en vous. N'oubliez pas de nourrir votre quotidien grâce à l'apprentissage. Et pourquoi pas ne pas faire comme le mois dernier avec le battleur. Je vous invite à déposer cet arcane sur votre table de nuit. Y déposer une pierre de lune noire ou grise orangée si vous en avez une. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas, donc je vais mettre une pierre de lune blanche. Je verrai si, en faisant le test, si elle m'enverra des messages ou pas. Et concernant les mandarines, bon, Alina, t'es une chanceuse, tu as l'arbre, le mandarinier, mais pourquoi pas, avec la saison des mandarines, là, qui va commencer à venir bientôt, quand vous en aurez, quand vous mangerez une mandarine, humez son odeur, sentez-la,
pour pouvoir entrer en lien avec notre amie la papesse. Et ce que nous on faisait depuis l'enfance, mais bon, faites attention, hein. On s'arrangeait pour éplucher nos agrumes, notamment les mandarines, les clémentines, en une fois, sans casser la peau, tu vois, en un coup, hein. Et on la posait sur le radiateur. Alors selon les radiateurs, faites attention, hein. Et en fait, dans la pièce, ça nous donne cette odeur acidulée. Et pourquoi pas rentrer en lien un peu plus avec la papesse. Ça promet du lourd, les amis, ça promet du lourd. Donc c'est comme ça que s'achève l'émission. Donc la deuxième émission hein, de la saison sur les tarots de Marseille. La lame numéro 2, la papesse, l'enchanteresse. Voilà, notre guide aussi. Voilà. Autant bah, la numéro 1, c'est l'initié, c'est voilà. Le battleur, là, c'est pour moi, c'est notre guide. Voilà, c'est notre sainte guide, notre sagesse guide. Voilà. Autour, enfin, moi, c'est comme ça que je la ressens, hein, la papesse. Hein. Pas de souci, Alina. Hein. Voilà, donc, et j'ai hâte d'entendre ton ressenti le mois prochain concernant l'arcane 3, notre amie l'impératrice. On va voir si je ressens la même chose que ce que tu vas nous dire, parce que moi je la perçois un peu comme une princesse, mais bon, on verra. Puis comme je t'expliquais tout à l'heure, mon tarot des magiciens aussi m'aide très certainement aussi à percevoir cette lame de cette manière-là, donc à voir. Mais après, comme je t'expliquais l'autre jour, je suis tellement fan de mon tarot. Des magiciens, et je pense aussi que c'est en partie parce qu'il n'y a pas que ça, parce que tu aides vachement à donner envie à découvrir le tarot de Marseille, et c'est peut-être aussi en partie pour ça que jusqu'à présent je n'allais pas vraiment décortiquer le tarot de Marseille, puisque j'avais moi mon tarot des magiciens qui happait mon cœur et qui m'allait jusqu'à présent. Mais le fait justement de décortiquer une autre version du tarot, bah je trouve ça vraiment enchanteur. Donc merci à toi, Mimi. Bah de rien, Alina. Hein. C'est avec grand plaisir que je te montre un petit peu autre chose. Mais tu sais, après, même si la représentation n'est pas la même, je pense qu'au niveau de la symbolique, on s'y rapproche quand même fortement. D'autant plus que il y aura toujours, comme aujourd'hui la papesse, le chiffre 2, il sera toujours présent. Il y aura certains éléments. Je pense que la symbolique dans l'absolu sera souvent proche quand même. Hein. D'accord. Ben, on verra ça. Ben, je pense, hein, je connais pas tous les tarots non plus, mais par contre, toi, tu pourras nous en parler vu que tu as une autre version de tarot. Bah écoute Mimi, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Bah écoute, je regarderai un petit peu ma carte, hein, et puis on pourra faire une petite similitude entre le symbolisme du tarot de Marseille et celui du tarot des magiciens. Et moi, bah cette carte hein, qui ressemble à une princesse, c'est la grande prêtresse, c'est la magicienne hein, dans mon jeu de cartes. Donc on verra tout ça. Je te fais plein de bisous ma petite Mimi, encore merci pour cette merveilleuse soirée magique, et on te retrouve le deuxième samedi du mois de novembre pour nous parler justement de l'impératrice. Oui, bisous Alina, bisous les Witches, et puis comme tu le dis, au mois prochain, avec grand plaisir. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.